Ouais, yo les gars, c'est Sagui, et aujourd'hui les gars, regardez ça, regardez qu'est-ce qu'il y a sur la magnifique PlayStation 4 à minuit 48. Il y a le Call of Duty Modern Warfare Remastered que j'ai en ma possession. Donc voilà, donc je remercie vraiment Activision de m'avoir donné accès donc un jour avant à cette campagne de Modern Warfare. Et là, on va se retrouver pour faire un peu de campagne et pourquoi pas faire un petit let's play. Et en tout cas, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler vraiment le début d'intro, parce que oh là là, je la connais par cœur ce début d'intro. Oh, y a pas l'intro du début. Ah, je crois que je vais me demander à me faire rembourser. Alors, nanana, ok, ouais. Ouais, je suis quand même d'accord. Bon, on arrête les vannes de merde. Donc, on va faire les paramètres qu'il faut. À peine visible. Tac. Voilà, on prend notre temps. On prend un petit café. On va faire ça tranquillou. Tac. Appliqué. Bon, malheureusement, on n'a pas le multijoueur. Bon, je t'avoue que direct j'ai tourné le joystick vers le bas. Mais malheureusement, ce n'est pas possible encore. Va falloir attendre dans un mois. Donc, maintenant. Et regarde ça. Et le menu, il a de la gueule. Le menu, il a de la gueule. Putain, il y a des codes triches. Putain, mais c'est super vieux ça. Ah oui, il faut trouver les renseignements au fur et à mesure de la campagne. Il faut en trouver plusieurs et après tu peux modifier quelques paramètres. Bon, putain, on peut faire les commandes maintenant. Donc on va se mettre en tactique et on va se mettre en sensibilité 5 à peu près. Donc là, vous pouvez voir aussi que la sensibilité verticale et horizontale sont différentes. Ce n'est pas juste une seule sensibilité maintenant. Vibration 100 et graphisme, c'est quoi? Daltonien, afficher le sang, bien sûr. Marquer, afficher le repère lorsque vous touchez un ennemi, bien sûr. Donc, ça, on l'a fait. Info système. Ok, allez. Oh là là, ça a vraiment de la gueule les menus. Et vraiment, il n'y a pas à dire. Et on peut choisir la mission quand même. Non, il faut quand même les faire. Justement. Donc, on va se retrouver pour faire cette petite campagne. Alors, ce jeu sauvegarde automatiquement. Tant mieux. Et je vous laisse admirer la cinématique. Le monde pète le feu. Je me rappelle de ouf. Contre ultranationalistes et 15 000 bombes nucléaires en jeu. Ouais, la routine quoi. Khaled Al-Assad, actuellement le deuxième homme fort du Moyen-Orient. Le bruit court qu'il a les moyens de passer numéro 1 là-bas. Les services secrets l'ont à l'œil. Et la mauvaise nouvelle? On a un bleu qui arrive aujourd'hui. Tout droit sorti des sélections. Il s'appelle Soap. Hop, hein. Donc apparemment pour eux je suis la petite mauvaise nouvelle. Donc voilà, merci les gars. Ouais, faut cul, bah. Gaz, ah là là, tu m'avais manqué toi. Putain, ça fait plus de 9 ans mec. 9 ans, oh là là. Trop bien. Ouais, je connais la chanson. Y a la pastèque, c'est après la pastèque. Bon, ça c'est la partie un peu chiante, donc on va se retrouver à l'étape suivante. Oh là 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 là, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Donc là on va se retrouver directement avec le commandant, je crois que c'était Price. Oui, je suis même sûr, c'est Price. Donc là, oh là là, oh là là les gars, c'est nice tout ça. Et Price va nous faire passer un petit test, voir si on est bon ou pas. Voilà, voilà, Captain Price, le mythique, le fameux. Oui, bonjour. Ah, c'est vrai, c'est quoi ce foutu nom, Soap? Comment un branleur comme vous a pu passer? Ça insulte direct. Soap, à toi de passer le test de combat rapproché. Les autres au poste d'observation. D'accord. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. 60 secondes, ça ? Gaz détient le record du groupe avec 19 secondes. 19 secondes, ouais. Voilà, ça, je l'avais battu à l'époque. Je vais essayer de le battre. Hop, alors l'échelle. Tac, ici. Bon, j'espère que j'ai pas trop m'engrainé et pas rester une heure sur ça, parce que c'est le genre de truc que j'aime bien, moi. Prends ce MP5 et 4 MP5, flash. Ok, grenade flash. Signal, tu descends sur le pont. Oh là là, et tu fonces à trop la bien. Position 1. Oui, je sais ce qu'il faut faire. Eh gros, la position 2. Allez. Puis tu vas aux positions 3 et 4 en suivant à chaque fois mes instructions. Oui gros, c'est bon. Attrape la corde quand tu es prêt. Je suis prêt. Allez. Go, go, go. Allez, là, va falloir y aller direct. Oh là là. C'est très lent là pour le moment. Ah mais il faut s'en rappeler de tous les trucs. Ok. Grenade flash encore je crois. Ouais. Voilà. 24 secondes. Bon.
Allez. On va essayer de le faire une ou deux fois, histoire de s'engrainer, vite fait. Combien? Ah, 20 secondes. Allez, on en refait une. Une dernière. Escalade cette échelle si tu veux réussir. Tain, j'aurais bien aimé. Sinon, dirige-toi vers les écrans de contrôle. Pas trop l'autre. Hein. Refais le allez. Plan de grenade flash. Allez. Go, go, go. Attaque les cibles. Allez, allez, hop, 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 hop. Position 2, allez. Attaque les cibles. Grenade flash, voilà. Une fois que tu connais le truc, c'est un peu plus facile. Allez, allez. Hop là, 18 secondes. Ah, obtenu un nouveau record. Et voilà. Et oui, merci, merci, merci mec. Alors c'est bon, c'est bon. J'ai fait ce que je voulais faire. Et donc là, on va se retrouver directement donc sur la première mission, donc la mission cargo comédie, bien sûr, sur le bateau. Cette fameuse mission. Ça va les gars, vous me poussez pas, tu sais. Alors on va faire en quoi? Vétéran, vous ne survivrez pas, donc je pense pas que ce soit réellement le but, commando. Voilà, on va en baver, donc je pense que c'est plutôt le principal. Enfin, je pense pas que ce soit le but réellement de se faire poutrer la gueule en vidéo, je pense pas que réellement... Comment? Ah d'accord, ok. Bon mais il faut attendre encore 16 minutes. Alors là je vous explique juste le topo. C'est qu'actuellement il est minuit 56, je dois me lever dans un peu plus de, un peu moins du coup de 5 heures vu que j'ai le boulot. C'est sympa. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi que j'ai un joli iPhone, hein, je l'ai bien explosé. Bon, mais tant pis, on va attendre que le contenu soit téléchargé. Et bien, on va se retrouver juste après, hein, pour mon plus grand plaisir. Équipe Bravo, nos renseignements viennent de notre informateur en Russie. Le colis est à bord d'un cargo estonien, immatriculé 52775. Présence d'un équipage réduit et de sécurité à bord. Règle d'engagement. Équipage sans importance. Pivot, ici Marteau 2-4. On a la cible en visuel. Arrivée estimée dans 60 secondes. Et voilà, nous revoilà. Ça y est, enfin pour la vraie première mission. Voilà, avec Price qui fume son petit cigare, voilà, au calme. Avant la petite mission, voilà, la petite routine, hein, j'aimerais dire. Ah là là, et ouais, et graphiquement, c'est clair qu'il y a eu du boulot, là, pour le coup, là. Enfin, en ce qui concerne le solo, là, on parlera juste, hein, vous doutez bien. Oh, le mégot. Putain, t'aurais pu me laisser la fin, quoi. Le gros rapace, tu sais. Le mec qui va chercher les clubs dans tous les cendriers. Excuse-moi, t'aurais pas le mégot. Oh, c'est pas grave, je vais chercher par terre, hein. Allez, tac. Feu à volonté. Allez, on peut commencer. Voilà. Bon, c'est bien que les gens, c'est vrai que des fois on s'en rend pas compte vu que c'est le solo. Ok, allez, go. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient comme arme? Parce que moi, la MP5, j'aime bien, mais je suis plus fan de l'AK. Allez. Ah, lui, il y a un bourré. Allez. T'es capable d'être bourré. Voilà, c'est tout. Et ceux qui dorment. Oh, salut. Tac, ok, ça c'est bon. Ah, faut faire gaffe aussi aux fichiers. Enfin, les renseignements, voilà. Ça fait partie de ça. Enfin, faut en avoir 30, voilà, pour avoir des mots de passe, etc. Des codes triche. Enfin, tu connais le truc, comme je vous ai montré au milieu. Oh, au début, au milieu. Allez, bah, la map est beaucoup plus éclairée là pour le coup. Franchir, ouais, on a la petite animation. Oh là, mais elle me pousse pas, gros. Alors, est-ce que je peux mettre mon. Ah, je peux pas mettre la vision nocturne. Ah ouais, ils sont là-haut. C'est bon, on peut tirer. Ah oh bah d'accord, j'ai même pas pu tirer. Oh là là, si je galère déjà là. C'est quoi? Oh, une petite AK. Voilà, une petite AK sans accessoire, parfait. J'ai envie de tirer juste pour écouter le bruit là, voir si ça a été bien modifié. Oh là, ils nous ont grillé. Voilà, ils sont là-haut. Ouais, le bruit de la canne n'est pas le même, mais bon. Bon, ça va, on va pas chipoter. Ah bah voilà, l'hélico qui fait le café. Oh là là, les belles explosions sur ce Call of Duty là, on est content. Hein. Bien reçu, Marteau. Walcroft et Griffin couvrent nos arrières, les autres avec moi.
Je sais pas si je dois aller avec lui. Non, faut que. Je sais plus. Si, je crois que c'est là que je dois aller. Allez, fais tout péter là. Bah oui, tu m'étonnes. Avec ton gros fusil à pompe là. Ok. Donc là, rien. Là aussi, ok, il n'y a pas de renseignement ici, non. Là, il n'y a rien en bas. En haut, il n'y a rien. Donc on va aller en bas. Allez, j'ouvre le bal. Oh là là, allez, bim. Bon, attention, maintenant ils savent qu'on est là. Donc forcément, on va se retrouver comme dans un Call of Duty classique à faire du... du 3 contre 400, hein, évidemment, mais on va s'en sortir. Comme des PGM. Waouh! Ouais. On va mettre une petite flash. Ah, ben voilà. Allez! On les liquide! Allez! Il y en a pas en face. Non, ça a l'air d'aller. Allez, vas-y, on y va. Oh, la KU, la KU, mec. Mais oui, la KU, putain, mais quelle arme ça aussi. Oh, elle a tellement de la gueule sur Code 4 en vrai. Ok, y'a rien. Je crois qu'il y en a un ici, non. Ah non, elle était derrière. Oh putain. Oh là, vous entendez respirer? Ah, il est pas bien mon perso. Monte le Deagle. Putain, parce que. Oh oui. Ah, le petit bruit du Deagle, le vrai, le seul, unique. Ah, ça fait plaisir. J'ai juste envie d'avoir un M40 pour écouter le bruit. Et un Barrette aussi. Parce que la mission Barrette, hein, vous la connaissez, c'est de Code 4. Enfin, si vous la connaissez pas, franchement, vous allez voir. Hein, quand on va faire la mission Barrette, bon, ça, on n'y est pas encore. Mais je peux vous garantir qu'il y en a qui vont mouiller dans leur culotte. Ça, c'est info sûre. Il est où? Ah, en bas. Attends, moi, remarque, j'aurais pu me le faire au Deagle. Ah, mais d'accord, ah ouais, vous êtes chaud, vous. Vas-y, j'y vais au Deagle, là. Y'a pas un petit ennemi? Si, y'a un bruit, là. On va flasher. Oh là là, y'avait du monde! Ah ouais, d'accord, en fait, bon, j'ai pas attendu du tout le signalement. Ok. Où sont-ils? Heureusement qu'elle aide à vide et des fois tu vises pour rien et ça vise sur les ennemis, regarde. Ça c'est beau hein. Oh putain, il y a un barreau d'honneur. Oula. On va rester un peu à couvert. Ok, il y en a un là-haut. Le problème c'est que j'aurais dû garder la K47 là pour être un peu plus précis. Ah bah il y en a une par terre. Suffit de demander. Bon là pour le moment, ils me font pas si mal que ça, mais le peu qui me touche à chaque fois les ennemis ils me font super mal. Tu vois? Le problème c'est que je sais pas s'il y a quelqu'un à ma gauche en fait. C'est quoi, je vais rusher. Oh là là, mais oui, d'accord. Oh le bâtard, il m'a tué. Je suis déjà mort, non. Non mais c'est dégueulasse. Attends, on va y aller beaucoup plus rapidement. Ah voilà, heureusement que j'ai pas mis le mode de jeu maximum parce que... Oh là là. Voilà, on vise un peu au pif, nous, tac. On va jeter... Oh là, salut. On va te jeter... Il est où? Ah ok. On va reprendre la K direct. Voilà, on va éliminer ceux qui sont au-dessus. Voilà, au moins ça fera ça au moins. Ok, il y a des ennemis aussi en face. Putain. Je suis complètement blanc. Ah merde, ça c'est un allié. On va éviter de le plomber. Il est mort lui ou pas? Ah non, il était pas mort, hein. Il est un martyr en plus, regarde! Putain! Même les bots là dans le solo, c'est des grosses merdes. Ouh, bonjour. Et le mini usi, à quoi il ressemble aussi? Ah oui, là c'est les documents. C'est en arabe. C'est en arabe. J'attends le signalement. Allez, donne-moi le signal. Allez là. Oh là là. Ah oui, en plus c'est les papiers qu'il faut prendre.
Moi j'allais prendre la valise. T'imagines, tu fais une mission comme ça et le mec leur dit ah, prends les docks et tout. Et genre, il prend la valise en fait. Il fait pas gaffe le mec. Voilà, ça échoue toute leur mission et tout. Bon, on part un peu loin là. Wouah, grosse explosion, le bateau va couler. On connaît, on connaît. Ah, il faut se casser là, et très vite. Ah ouais, je sais gros, t'inquiète, j'ai vu. Allez, allez, on court. Alors là, on n'a pas accès à l'arme. On peut juste sprinter, enfin, on peut pas réellement sprinter en plus. Ah si, là, je peux sprinter, hop. Relève-toi, relève-toi, allez, allez. Ah, t'imagines la pression d'eau là qu'il doit avoir en vrai, mais moi, j'aurais fait un voile en bas direct, mon gars. C'est tout de ouf. Allez, on se relève. Oh là là, il y a tout qui... En plus, vous avez la caméra penchée pour vous tourner, c'est trop chelou. Enfin, c'est... Bah, c'est le bateau qui veut ça, hein. Waouh, toute l'eau qu'il y a. C'est vrai que là on apprend un peu plus plein les yeux, hein, de ce que je me rappelle de Code 4 à l'époque là. Je redécouvre la campagne de Code 4 qui est clairement la meilleure campagne de tous les Call of. À mon goût. Allez, là on va vite arriver à l'hélico. Faut se dépêcher. Allez, 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 allez. Putain, mais il ralentit mon perso là. Allez, allez, oui je saute, allez. Aidez-moi, aidez-moi. Voilà. Merci mec, merci mec. Et voilà le petit bateau qui coule. Voilà, comme par hasard, au dernier moment, on s'en est sorti. Vraiment à la dernière seconde, voilà, comme d'hab. Bon. Mais voilà, première mission finie. Infinite Warfare Present. Ah. Ah bah c'est bien cool, Modern Warfare Remaster. Et ben voilà. Bah écoutez, de toute façon, aujourd'hui, on va uniquement se consacrer donc sur la première mission que j'ai fait. Déjà de une, parce que je n'ai pas le temps, que je vais vite aller au lit. Et de deux, parce qu'il faut attendre 20 minutes encore. Donc, je vais télécharger ça encore pendant toute la nuit. Là, il est 1h20. Donc, voilà, vous doutez bien que bah, le réveil va faire très très mal. Il va picoter de ouf. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette première mission. Voilà, la petite découverte un peu de ce Modern Warfare Remaster. Enfin, remaster, j'arrive jamais à le dire, j'arrive jamais à le dire. C'est des trucs de ouf quand même, alors qu'il n'y a pas plus simple quoi. Je veux dire, mon anglais, je veux bien que ce soit pourri, mais c'est pourri. Bref, on se retrouve du coup très prochainement, je pense, pour continuer ce solo là. Je sais pas si on le fera en entier, mais au moins faire 2-3 épisodes de quelques missions en tout cas qui moi m'ont réellement intéressé sur ce Call of Duty là. Pourquoi pas, à voir, à moins que vous vouliez tout voir, je ne sais pas, à vous de faire débat dans les commentaires. Voilà, écoutez, ben sur ce, moi je vous laisse. Un petit pouce vert, ça ferait plaisir, hein, le pouce vert pour la fatigue du lendemain et tout. Voilà, tu comprends, s'il y a un pouce vert, je vais nettement les mieux. C'est tout à fait normal. Bon, je dis de la merde. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous smoke tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les gars. Packing stadiums as shady spits his flow. Nuts they go, macadamia and they go so ballistic, whoa. He can make them look like bozos. He's wondering if he should spit this slow. Fuck no.